Bonjour, on est parti pour la suite de nos aventures sur Lethys et on reprend à la mission 7. Et je devais faire. Ah oui, importer. Non. Pourquoi je t'y importer? Pas du tout. Je suis à combien de chômage? 5%, c'est pas énorme. Faire venir. Faire des ustensiles, voilà. Alors, où je peux mettre. Alors, je peux en mettre une ici, là. Je peux en mettre 3. Je peux en mettre 3. J'ai pas beaucoup de revenus par contre. J'espère que je vais en gagner. Ça m'embête un peu la vue. Hop, voilà. Donc. Comment puis-je mettre tout ça? Ah, on peut pas le tourner celui-là, d'accord. Ok, il peut être que comme ça. Et celui-là, on peut le mettre comme ça. Je pense déjà qu'on va faire une route. Ici. Bon, celui-là, on va le mettre. Hop. Comme ça. Et celui-là, on va le mettre comme ça. Voilà. On va essayer de faire un minimum de route. Voilà. Ici c'est très bien. Par contre, si je mets ça ici et que je mets un plot là, est-ce que c'est gênant ou pas? Ah oui, par contre, il y avait un problème ici. J'avais pas mis de plot, tiens. Erreur. Grave erreur. Alors voilà, ça c'est bon. On va mettre l'entrepôt. Combien fait au fait l'usine? C'est nickel ça. L'entrepôt, on va le mettre ici. Voilà. On va tout refuser sauf ça et ça. Tac. Voilà, c'est pas mal. Et on va mettre une usine à ustensiles ici. Par contre, on va. Voilà, parce que forcément, il me manque des travailleurs. On va faire un nouveau quartier. Je pense qu'on peut partir sur un nouveau quartier. On change pas les choses qui marchent. Mais j'ai pensé à un autre type de quartier. Dans le même style, hein, mais essayer de voir si ça améliore la chose ou pas. Alors là, par contre, faire ça, c'est un peu n'importe quoi. Donc, utilitaire. Tac. Tac. Voilà, on met l'eau. On met la nourriture. Voilà. On met le lavoir. On va le mettre ici.
Le lavoir utilitaire. Voilà, faut mettre les plots. Ici du moins. Ce coin-là, je pense que je vais le garder pour le blé. Parce qu'on va devoir faire un autre type de nourriture, sinon ils évolueront pas. Donc ça va arriver en masse. Alors, améliorons tout ça. Voilà. On va faire partir des routes ici. Mais en mettant des plots. Très bien. La construction, on continue. Ah oui, non, je peux pas, c'est vrai. On va mettre ça ici. Ensuite, une petite fontaine. Et hop. Voilà. Avec un peu de déco sur le côté. On va mettre celle-là. Je crois qu'il en faut pas mal quand même de décoration. On va en mettre ici aussi. Tiens, on va changer un peu. Tac. Pour l'instant, on met ça, mais je pense qu'il faut mettre un double de rangée. Pourquoi il n'évolue pas? Avec l'un plus de nourriture, oui. Ça va arriver. Normalement. Voyons voir ma nourriture, elle est où? Ah, ça. Est-ce que ça va en rajouter pas mal ou pas? Ah, ils ont tout pris! Bon, c'est bon, ça s'améliore. Ah, ils veulent plus d'alcool. Ah, il va me falloir une autre. Une autre distille. Mettons ça en place. Tac. Allez, la fête de l'alcool. Ah, l'argent remonte. Alors, j'espère quand même avec l'exportation du verre en masse. Hein. Et on en a toujours plein. Hein. Ça, c'est très bien. Ah, et on ne fait que 4000 sur 6000 pendant une année. Ah, ça évolue, ça évolue. Ah, on peut mettre tout le monde au travail. Très bien. Ouais, c'est bon. Ça a évolué, mais pourquoi eux... Ah, peut-être le théâtre, ouais. Alors, le théâtre, on vérifie les zones. Au milieu, ça m'a l'air pas mal. On va enlever ça. Et on va mettre le théâtre. Ah non, c'est un peu dégueulasse. Bon, on verra ce que ça donne. Voilà, ça évolue. Alors forcément, je vais faire beaucoup trop. On va encore créer un truc d'ustensile. On va pas en faire de trop. C'est histoire de manger tout le minerai. Ah, on a 9% de chômage. Ça, c'est pas mal. Et qu'est-ce qu'il réclame ensuite? Plus de nourriture, non? Ah non, un herboriste directement. Ok. Est-ce que ça produit assez?
Par contre, je ferais bien partir une route comme ça, là. Mais non. Ici, mettre un plot là. Parce que je sais pas si c'est pas plus court pour qu'il aille là. Aucune idée. Je pense que je peux remettre encore une usine d'outillage. On va la mettre ici. Parce qu'il y a pas mal de plaques. Donc, sur quoi on va partir maintenant? Ah oui, je voulais mettre des bourgeois. Pour les fameuses routes commerciales. Où je pourrais mettre des bourgeois? Peut-être ici. Ouais. Oh, il y a plein de zones ici, là. Ah, ici, ça pourrait être sympa. Ah, des bourgeois ou... par contre, ouais, non. Qui dit bourgeois, faut quand même que je vérifie si je peux... On peut faire venir du fer. On peut faire venir du fer. Est-ce que j'ai de quoi... Ah, j'ai de quoi le transformer en acier. Donc oui, ça pourrait être rentable de faire venir des bourgeois. Ah, on est à 13 000. Ah oui, bah, l'argent coule à flot, c'est bon. Alors oui. Comment créer ça? Ici. On a une très grande zone ici pour se développer. Je pense pas qu'on en ait besoin de milliards non plus. On va peut-être mettre ça là. Voilà. C'est pas mal ça. Avec. Tac. Ouais, derrière on pourra mettre des décorations. Ça c'est bon. Ensuite par contre. C'était comment? C'était 5 je crois au milieu. Parce que le bâtiment c'est du 4x4. C'est ça, 4x4. Donc histoire de mettre des décos tout autour. Qu'est-ce que je voulais? Ah oui, ça. Donc c'était comme ça. Ouais, comme ça, c'est le milieu, mais faut accorder un peu plus d'espace. Donc la maison serait normalement ici. Voilà. Normalement, c'est ça. Si je me suis pas trompé. 1, 2, 3, 4, 5. Et on met une route ici. Voilà, on met des maisons de l'autre côté. Bon, normalement, la... Ouais, non, la route va plus loin, elle va là. Voilà, je me suis trompé ici, par contre. Nous allons mettre le récolteur d'un pot. Non, qu'est-ce que je fais? Ça, on peut l'enlever. Ça aussi. On va mettre des maisons. Elle coûte assez cher, mais ça rapporte bien. Hop, hop. On va mettre un plot ici. Allez, viens des. Normalement, c'est bon, j'ai tout. Nous allons mettre de la décoration. Pas qu'ils voient subterfuge. Non. Nous allons les mettre dans des arbres.
Faut que je mette. On va mettre une font des fontaines derrière. Voilà. Tac. Ah, c'est très bien. Et au milieu, on va mettre. Ah, bah alors. Un, deux, trois, quatre. Hop. Et hop. Voilà, normalement c'est bon. Ah, par contre, on va en... Ah ben, je peux pas enlever les arbres. Parce que je voulais en fait mettre une route ici quand même. Voilà, et mettre un plot ici. Nickel! Alors, est-ce qu'avec ça, je peux mettre un représentant? Je sais pas comment ça marche. Non, c'était là, je crois. Sur l'exportation. Ah, je peux pas. Je sais pas comment on fait. Ressources, services. Ah, positif, vous exportez plus que vous importez. Travailleur, monument. Non, je ne sais pas où c'est. Ah, c'est là. 80 bourgeois de votre ville disposant de 0. Ok. Il n'y a pas assez. Toc. Ah. Y a pas assez. Il leur faut un café et de la nourriture, mais la nourriture, je n'aurai sûrement pas suffisamment. Ah ouais, ça prend tout là. Ça prend tout. Il va falloir mettre d'autres poissonneries. C'est où? C'est là. Je vais y arriver. On peut en mettre ici. Oh, j'ai peut-être été un peu gourmand là. tac, on va mettre. C'est où? Ici. Tac, un plot. Par contre, je pense qu'on va remettre un truc de poisson ici. Hein. Refuser que le poisson. Est-ce qu'on peut au pire exporter du poisson? Ah, on peut exporter par contre de l'absinthe. Ouais, on peut exporter de l'absinthe ici. Ça peut être intéressant. Voilà, en espérant que ça. Oh, il faut que je crée encore une usine d'ustensiles, il n'y a pas assez. Voilà. Ah, toute ma ville a bien évolué, je suis à combien là? 6% de chômage, et maintenant ils veulent... Ah, je suis à 10 000! Ah oui, c'est pas mal, je sais même pas si j'avais besoin de véritablement... Et par contre, je suis qu'à 4008 de verre produit. Non, on va partir sur la production de l'herboriste. Qu'on va mettre bah, toute cette zone-là, là, qui me... Oh, cette zone-là, là, qui me sert pas à grand-chose. Par contre, il y a beaucoup de chemin à faire. Ça m'embête. Ça m'embête un peu. Ou alors ici, on va peut-être les mettre ici. Ouais, on va peut-être les mettre là. Alors, de toute façon, l'herboriste, c'est pas, y a pas grand-chose à faire. On va mettre ça.
avec... C'est où? Ah oui, c'est là. Tac, tac. Et... Tac. Les petits plots. Ici, on refuse tout. Sauf les herbes, accepté. Voilà. Et en ville... On va enlever... j'ai mis quoi là? Non, c'est ça que je voulais en fait. Voilà. Oh là là, c'est crado! Ouais, à mon avis, ils vont pas être très contents. Haha. On va mettre ça là. L'herboriste. Voilà. Ce qui normalement devrait être très vite. Voilà, hop, ça s'améliore. Ouais, 24 000, ouais, l'argent, c'est n'importe quoi. Eux, ils réclament plus de nourriture. Hein. 3% de chômage, 4%. Hop. Alors, on a fait ce quartier là, il faut faire celui-là maintenant. Herboriste. Herboriste. Alors voyons voir. Alors l'alcool ça va. Mais on voit qu'ils sont un peu en manque de... Comment ça s'appelle? On va remettre un plot ici. On va virer celui-là. Et on va mettre... Juste une petite... Voilà. Alors là, ça a l'air de fournir. On est à combien de pourcentage? 9%, on va finir les derniers. L'herboriste. Alors, normalement, ça fournit bien tout. Hein. Ouais, c'est nickel. Et ici. Oh, bon, on va le mettre là. Tac. Herboriste. Voilà. Faut vérifier quand même les stocks. Que tout ne parte pas. Ici, le poisson, ça a l'air de. Ouais, ça se remplit bien, c'est nickel. Là par contre, je n'ai que 80 bourgeois, donc c'est pas assez. Je sais plus c'est combien le premier stade. Oui, bon là, les ustensiles, on a ce qu'il faut. Et ils veulent plus de nourriture. Alors, est-ce que j'en crée? Ou est-ce que j'en importe? Par contre, oui, ce que je voulais faire... en créer un autre. Hop, petit plot. De toute façon, ça c'était bon. Ah, pourquoi il me... Bon, non, c'est bizarre. De toute façon, c'est pas grave. Là, c'est nickel. Tout a l'air de bien aller. Ok. Ah, on est à 5100 maintenant, 11961. 11% de chômage, alors. Je pense qu'on va plutôt importer... On va importer du fer et faire de l'acier pour les automates, quoique... Ah, 5400, ça devrait arriver d'ici peu. 12113. Ouais, ça rapporte pas assez les ouvriers.
Bon, on va partir sur, quand même sur la nourriture, premier. Je pense qu'on va faire plus de nourriture, parce que de toute façon, il va falloir deux types de nourriture pour les bourgeois. Donc en nourriture, je pouvais faire bah, du pain. Ah, et des... C'est peut-être mieux ça. Ouais, c'est peut-être mieux. Alors... Ici c'est pas mal. Ici. Ouais, on va partir là. Tac. Voilà. On va partir comme ça. Hop, on met ici. Le foin va être... Ouais, c'est, par contre, c'est un peu gêné, ça. Non, ça va un peu me gêner, cette position. On va plutôt faire... Aïe! Il m'a fait n'importe quoi! Il m'a fait n'importe quoi, je voulais partir comme ça. Voilà. Comme ça, on va pouvoir mettre un entrepôt ici, un autre ici. Alors, tout refuser. Juste ça. Tout refuser. Juste la viande. Et on va mettre un bovin. Ah oui, il faut que je mette de quoi réparer. Bah, le réparateur, il va aller en bout. Hop. Un plot ici. Un plot là. Ah, ce qui normalement devrait être plutôt pas mal. Je sais pas si le blé ça va suffire, on va voir. Ah, je suis à 6000, c'est bon. J'ai atteint les 6000. Donc, j'ai pas besoin de faire plus de verre. Bon, c'est nickel. Mais par contre, il faut atteindre l'objectif argent. Ce que je n'arriverai sûrement pas à faire dans cet épisode, je pense. On va refaire... Voilà, une petite route. Oh, 45 000, ouais, l'argent, c'est n'importe quoi. Il va falloir que je j'importe. Alors, par contre, je me mets où? Parce qu'en fait, il faudrait que je mette mes usines de fer ici. Mais est-ce que j'ai assez de place? Oula! Ici, ça peut être pas mal. Genre, par exemple, un entrepôt. Un entrepôt, on refuse tout. On accepte seulement le fer et l'acier. Je sais pas combien on peut en importer. On met... Ah non, c'est pas bon. Ah, c'est dommage ici que ça ne marche pas. On va voir. Parce que les fourneaux, ils sont grands de 3 par 3, je crois. C'est ça. Je pense que deux fourneaux, ça suffit.
Si je mets ça là. Ah, si je mets ça là, en fait, il peut tout réparer. Oh bah oui, hop. Alors, est-ce qu'on peut... C'était où? Ah, c'était là. Ouvrir la route commerciale. Et non, faut que j'aille sur l'entrepôt. Hop. Et on va importer 2004, d'accord. Donc j'en suis à où là? Finalement 2004, 5006. Ce qui devrait me permettre, et ici on va peut-être mettre les usines d'automates. Si, oui, on peut faire partir un câble là. Ouais, c'est pas mal. Ah, voilà. Hop, ils arrivent. Ah, ça s'améliore, mais c'est pas tout à fait ça. Ouais, forcément. Je suis à combien, là? 1%. Aïe. 1% de chômage. Faut vraiment que ça s'améliore. Ah, c'est bon, ça s'améliore. Par contre, je vais mettre une autre ferme à bœufs. À bovins. Ah, on a de l'acier, on a de l'acier, ça c'est très bien. On va pouvoir créer on va voir le poisson. Oh bon, le poisson c'est nickel. Eux vont avoir besoin. Ah, je suis plus qu'à 4800. Ah oui, parce qu'il n'y a plus assez de sable. Et ça c'est pas grave parce qu'il faut atteindre l'objectif de l'argent. Il m'a l'air un peu plus compliqué. Ah, il manque 31 ouvriers. Mais normalement, ça devrait le faire. Normalement, ça devrait le faire. En espérant... Ah, je crois qu'il a mis dans ce quartier-là, donc ça devrait le faire, non? Attention. Ah. Nickel, ça évolue. 6% de chômage. 5% de chômage. Ah, il ne trouve pas le coin assez attrayant. Alors oui, ça les enquiquine un peu. Mais attendez. Ah bah non. C'est pas mal ça, non? Voilà. Ah, c'est... Réclame plus de nourriture. J'en suis à combien là? 5% de chômage. Il faut régler le problème de ça. Faut que je mette un autre bovin. On va mettre un autre bovin. Hein. Ah, qui s'y va pas, lui? Pas assez attrayant. Mince. Ah bah oui, y a rien. Mon pauvre. Est-ce que ça te suffit? Ouais, c'est nickel. Alors, il y a eu de l'amélioration ici, mais...
Ah, ils sont indécis, ils savent pas exactement où finir comme quartier. Alors, est-ce qu'ils vont arriver à remplir avant que ça soit complètement vide? Grande question. Eh ben non. Donc on va en mettre un. Hop. Alors qu'est-ce qui ne va pas pour vous? C'est l'attrait. D'accord. Voilà. Voilà. Et toi, c'est pareil? Ah mais là c'est un peu plus compliqué au milieu, hein. C'est un peu plus compliqué. Je ne sais pas si en mettant quelque chose d'assez attrayant ici, est-ce que ça va suffire ou pas? Ah si, c'est bon. Ils sont vraiment bien ceux-là. Voilà. Ah, y a un petit manque de nourriture là. Ils ont un peu du mal à suivre. Est-ce que je peux importer de la viande? Ah, ils vendent de la viande. Dans un premier temps, est-ce que ça pourrait pas être intéressant, justement? D'importer un peu de viande. Pour qu'ils puissent remplir leur stock. Oh là là, oh là là, oh là là, qu'est-ce qui se passe? Ah, l'alcool. Bah non. Pourquoi il se barre? Pourquoi il se barre? C'est les quartiers qui sont pas assez chics, c'est ça? Bah non, ils reviennent. Y a un problème là. Bon, je vais faire venir de la viande. Oui, ça augmente à nouveau. Parce que la nourriture, c'est bon. Il y a tout ce qu'il faut. L'alcool, c'est bon. Donc les denrées. Ah, mais non, mais il y a un problème ici. Non? Ouais, ils arrêtent pas de... Qu'est-ce que c'est que ce délire? Ah! Bah pourquoi il manque un plot? Voilà pourquoi en fait. Saloperie! Le petit truc furtif qui fait que le quartier se porte pas très bien. Voilà, du coup ça devrait arranger le problème. Faut vraiment être attentif sur tout ce qui se passe. Je ne sais pas pourquoi il n'y avait plus de plots par contre. Aucune idée. Je suis à combien d'ouvriers? 8%. On va mettre les automates et je pense qu'on va s'arrêter là. Il m'en faut 20. Alors attends, par contre, le gaz. Et parce qu'il faut que je fasse passer le gaz de l'autre côté. Donc comme ça. Ouais, je pense qu'on va faire comme ça. Où sont mes usines d'automates? Voilà, on va en mettre deux. On va relier là-haut. On va mettre la route ici. Hop. Voyons voir. Alors, on va mettre un plot. Là.
Et un réparateur ici. Voilà, nickel. Donc théoriquement, on a largement de quoi faire et on va positionner les utilitaires dont ils ont besoin. Voilà, on met tout direct. Je veux juste voir en fait, avant de finir l'épisode, donc on va attendre qu'ils évoluent, voir si je peux mettre des... du siphon. Ah oui, ils mettent... c'est vrai qu'ils en ont besoin ici, non? Bah non. Ils sont partis les vendre, sûrement. Alors, en attendant que ça évolue, on va remettre un autre truc de sable. Ici. Voyons voir ce que ça donne. Mince, c'est pas ça que je voulais. C'était ça. Pour mettre... une petite route ici. Voilà, parce qu'il manque un peu de sable, c'est pour ça je crois qu'il n'arrive pas à... Alors demande plus de nourriture. Ah, ça arrive, je crois que c'est eux. Attention. Suspense. Ah, c'est bon. Ça évolue. Faut attendre qu'ils arrivent, je pense. On est à 80 bourgeois. Est-ce que ça, ça fait en sorte que... Bah voilà, ça monte, ça monte. Voilà, on est à 120. 120, est-ce que du coup... Alors c'était ici, je crois. C'était où? Ah bah voilà. C'est ici. On peut... Ah, on peut cliquer directement là. Alors, ce qu'on va faire... où j'ai ouvert des routes commerciales, moi. Vent du fer... Non, c'est pas ça. Celui-là, ça pourrait être bien pour vendre un maximum de... Puis en plus, on pourrait vendre de l'absinthe. Ouais, ici, on peut en mettre un. Hop. Mais ça se trouve, je peux en mettre deux. Ah non, j'ai pas assez. D'accord. Qu'est-ce qu'ils réclament, eux? Des beaux vêtements. Il y aura la possibilité de leur faire ou pas? Je ne sais pas. Ah non, il n'y a pas de chambre. On n'a pas de chambre. Bon, ouais, de toute façon, on peut rien faire. Mais on peut en importer. Alors, on voit qu'on est à 4800... 15100... 120... on pourra exporter du cuivre, je pense. Je suis à combien là? 2%. Pas assez attrayant. On va faire en sorte d'arranger ça. Voilà. Et lui? Bah lui, je crois que c'est la même chose. Ah! Il trouve la zone pas assez attrayante. Ça c'est dommage. Donc on va virer lui. Et on va mettre une fontaine. Voilà, on est plutôt pas mal là. 5%. On a mis notre premier bourgeois sur une route commerciale. On va voir pour les vêtements, parce que c'est eux, à mon avis, qui vont me rapporter le plus. Ce qui serait bien, c'est que je les développe. Donc voilà, on va s'arrêter là pour cet épisode. Putain, qu'est-ce qu'ils bouffent? C'est dingue. J'espère que ça vous a plu. Je vous dis à très bientôt pour la suite de nos aventures sur Lethys. N'hésitez pas à liker, commenter et partager la vidéo. Et à vous abonner à ma chaîne pour voir la suite. Allez, salut !